Francisco Arcemontes, il aura fallu 9 ans pour traquer, arrêter et condamner cet homme. C'est lui qui, un soir d'été 96, a tué, dans une auberge de jeunesse de Bretagne, une petite Anglaise qui s'appelait Caroline Dickinson. Il l'a étouffée après l'avoir agressée sexuellement. Caroline avait 13 ans, elle était en voyage scolaire. Pendant des années, la presse britannique s'est passionnée pour cette histoire, faisant constamment pression sur la justice française qui, il faut bien le reconnaître, a longtemps pataugé. Jusqu'à l'arrestation du meurtrier qui s'est avéré être un maniaque et un pervers incroyable. Il faisait le tour du monde des auberges de jeunesse à la recherche de jeunes adolescentes en vacances. L'enquête qui a permis de l'arrêter raconte à la fois les vertus et les limites de la police scientifique moderne et notamment de la génétique. La génétique qui résout bien des problèmes mais ne dispense pas d'une enquête bien ficelée. Caroline avait 13 ans. C'était la première fois qu'elle partait en vacances, loin de ses parents. Un voyage scolaire avec 39 de ses camarades de classe. En Bretagne, à Plaine Fougère, dans une auberge de jeunesse. Le lundi 18 juillet 1996, au matin, Caroline est découverte morte dans son lit, dans la chambre numéro 4, au premier étage de l'auberge. Elle a été violée et étouffée. John Dickinson, votre fille Caroline avait 13 ans. Est-ce que c'est la première fois qu'elle partait seule à l'étranger, sans vous ? Oui, c'était la première fois qu'elle partait à l'étranger sans nous. C'était une grande occasion pour elle, elle était très excitée et nous, naturellement, nous étions un peu inquiets. On espérait que tout allait bien se passer. Comment est-ce que vous avez appris que Caroline avait été assassinée? C'était à la fin de son voyage, j'étais au travail. C'était l'heure du déjeuner et avec des collègues, on mangeait nos sandwichs au bureau. Mon patron est arrivé et il m'a demandé de le suivre. J'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. J'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave. Mais il ne voulait rien me dire. Une fois dans son bureau, j'ai vu deux policiers. Ils m'ont dit que Caroline était morte dans des circonstances suspectes. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire et ils n'avaient pas de précision à m'apporter. Ça n'est que le lendemain, quand nous sommes arrivés en France, que nous avons appris comment elle était morte. John Dickinson vient d'apprendre que sa fille Caroline a été victime d'un crime atroce, violée et étouffée. À Plaine Fougère, l'enquête commence. Et en Angleterre, la nouvelle fait immédiatement la une de tous les journaux. C'était une nouvelle de taille ici dans le sud-ouest de l'Angleterre. Une jeune fille du coin assassinée en France, je l'ai appris par les journaux locaux et la télévision. Et je crois que comme moi, tout le monde ici était très choqué. Très vite, nous voyons arriver à Plaine Fougère l'ensemble de la presse médiatique, les télévisions, les radios, avec les véhicules, les techniciens. Et c'est vrai que on n'est pas encore sorti de l'interrogation, de la stupeur, que déjà il faut gérer une autre pression, qui est la pression médiatique. Tout le monde en Angleterre était très triste pour la famille Dickinson. Les gens pensaient, quelle chose horrible serait pu nous arriver à nous aussi. Une jeune fille là-bas, en Bretagne, en voyage scolaire, dans cette région où beaucoup de gens aiment eux aussi venir passer leurs vacances. En fait, tout le monde s'est très fortement identifié à cette histoire. Lauston, la petite ville où a grandi Caroline. Les habitants lui rendent un dernier hommage. Est-ce que vous avez senti tout de suite que la presse britannique était derrière vous ? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'après un crime aussi horrible, qui que vous soyez, vous êtes complètement paralysé, incapable de penser correctement. Ça m'a pris du temps après être rentré en Angleterre et après quelques jours de réflexion solitaire pour comprendre que si je voulais obtenir des résultats, il fallait mettre la pression.
Vous-même, est-ce que, au fond, vous avez vraiment confiance dans la police française après les premiers contacts que vous avez avec eux ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'après que nous ayons ramené le corps de Caroline en Angleterre, nous étions très impressionnés par la manière dont on nous tenait informés de la progression de l'enquête. C'est seulement plus tard que le silence et le manque d'informations se sont fait sentir. C'est à cause de la manière dont travaillent les magistrats français. Je comprends bien à quoi ça sert le secret de l'instruction, mais en même temps, pour nous en tant que famille, ce manque d'information, c'est très douloureux et c'est aussi très inquiétant. Les gendarmes de la section de recherche de Rennes ont investi l'auberge de jeunesse de Plaine-Fougère. Les lieux sont passés au peigne fin. Dans la chambre numéro 4, les enquêteurs découvrent tout de suite un grand morceau de coton. C'est de toute évidence avec ça que Caroline a été étouffée. Sur le corps de l'adolescente, il y a des traces de sperme. Pour les gendarmes, c'est tout de suite un élément clé. Ils vont pouvoir déterminer le profil génétique du meurtrier, avec l'espoir de mettre rapidement un nom sur cette empreinte. Nous sommes en 1996, et à cette époque, la France ne dispose pas d'un fichier d'empreintes génétiques centralisé. Pour le moment donc, l'empreinte ADN retrouvée dans la chambre de Caroline n'est qu'une empreinte anonyme. Pour retrouver le meurtrier, les gendarmes doivent donc s'en remettre, pour l'instant, à des méthodes d'enquête plus classiques. Ils commencent à entendre le témoignage des copines qui partageaient la chambre de Caroline. Quand on se trouve dans cette petite chambre où cinq jeunes filles, puisqu'indépendamment des deux lits superposés, il y avait la jeune Caroline qui, pour être avec ses camarades, était sur un matelas par terre, on se demande comment les faits ont pu se dérouler sans qu'aucune des personnes présentes n'entende quelque chose et ne donne l'alerte. Les premières personnes qui sont susceptibles de donner des informations sont, en l'espèce, les quatre jeunes filles qui dormaient dans la même chambre. Autant que je m'en souvienne, il y a une des jeunes filles qui a dû dire qu'elle avait entendu comme des bruits de mouvement au niveau du matelas de Caroline, les jambes qui bougeaient, mais visiblement, ce témoignage était au milieu d'un sommeil profond tel que peut l'avoir une jeune fille de 13 ou 14 ans. Le soir du meurtre, c'était leur dernière nuit en France. Caroline avait demandé l'autorisation de dormir avec ses quatre copines. On lui avait donc installé un matelas par terre entre les lits superposés de ses amis. Les adolescents avaient fait la fête jusque tard le soir et s'étaient couchés vers 1h du matin. Sans doute très fatiguées, les copines de Caroline dormaient à point fermé. Elles n'ont rien vu. Rien entendu. Cette absence de témoignage, dès le début de l'enquête, pose un gros problème aux gendarmes. Pour retrouver des suspects, il va donc falloir ratisser large. Michel Tanneau, journaliste à Ouest France, le principal quotidien de la région, est envoyé par sa rédaction pour couvrir le début de l'enquête. Il ne sait pas que cette affaire va le tenir en haleine pendant plus de 5 ans. Alors les enquêteurs, ils ont travaillé sur un jeu de rôle entre les collégiens qui aurait pu mal tourner et aboutir au décès de Caroline. Mais cette hypothèse-là a été écartée assez vite. L'autre hypothèse qui a été écartée assez vite, c'est un rendez-vous que Caroline aurait pu donner à des adolescents du village de Plaine-Fougère. Il y a deux adolescents en particulier qui ont été, non pas suspectés, mais entendus, parce qu'ils avaient croisé Caroline au cours de ces quelques jours de séjour à Plaine-Fougère. Mais ces adolescents ont été mis hors de cause assez rapidement également, quoi. Dès le début, toutes les personnes dont on savait qu'elles étaient présentes dans l'auberge la nuit des faits, soit en qualité de personnes y séjournant, donc que ce soit des étrangers ou que ce soit les professeurs de sexe masculin qui encadraient le voyage d'Angleterre, les personnels de l'auberge, dans les 24 heures, toutes ces personnes de sexe masculin avaient fait l'objet d'un prélèvement. Tous les hommes identifiés qui ont pu approcher de près ou de loin Caroline sont testés. Professeurs, accompagnateurs, clients, employés de l'auberge.
Le but, comparer les échantillons prélevés avec l'ADN du meurtrier retrouvé sur le lieu du crime. Ça ne donne rien. Alors on pense à l'hypothèse d'un rôdeur, quelqu'un venu de l'extérieur. Et là, il y a des témoignages. Je me souviens du témoignage de l'une des enseignantes qui accompagnait le groupe, qui dormant fenêtre ouverte parce qu'il faisait chaud, avait entendu et vu un homme qui quittait l'auberge. Elle l'avait vu de dos, elle avait entendu une voiture démarrer, mais à partir de cet élément-là, il fallait pouvoir mettre une identité sur cette personne qui était vraisemblablement l'auteur qui partait vers 3h du matin. La question se pose de savoir comment est-il rentré. Et très vite, on apprendra que le principe des auberges de jeunesse est de ne pas être complètement fermé, ne serait-ce que pour permettre à des habitués qui arriveraient un peu tard le soir de pouvoir entrer, de se servir en drap dans une armoire qui est située dans le hall d'entrée, et puis d'aller voir si dans une des chambres dortoirs, il n'y a pas une place de disponible. On s'est aussi tout de suite dit que, compte tenu de la configuration des lieux, la personne qui était rentrée dans l'auberge jeunesse devait connaître les lieux. Parce que la chambre voisine de la chambre où a eu lieu le drame était occupée par des professeurs. Donc il fallait aussi et connaître les lieux et peut-être aussi, mais ça c'était des suppositions à l'époque, peut-être aussi connaître les jeunes. Avoir eu des relations ou des contacts avec eux de façon à pouvoir savoir exactement où ça se trouvait. L'assassin connaissait donc probablement les lieux. Peut-être même avait-il déjà croisé Caroline et son groupe dans les couloirs de l'établissement. En tout cas, pour commettre ce meurtre et disparaître aussi vite, il fallait connaître le seul moyen d'accéder à l'auberge la nuit, une petite porte située à l'arrière qui n'est jamais fermée à cause des retardataires. Il fallait savoir aussi que les portes des chambres restent toujours ouvertes, même la nuit. Lorsqu'un groupe arrive, nous donnons les clés aux responsables de groupe qui, lui, les distribue ou ne les distribue pas aux élèves ou aux jeunes. Les responsables ou les professeurs hésitent à donner les clés parce qu'ils ne veulent pas que les enfants s'enferment dans les chambres. De cette façon, ils peuvent mieux les surveiller. La nuit du meurtre, la porte de Caroline Dickinson et de ses copines était donc ouverte. Et sans doute, le meurtrier le savait-il. Pour identifier des suspects, les gendarmes retracent le parcours du groupe durant toute la durée du séjour. Ils enquêtent dans tous les lieux que les adolescents ont visités pendant les 4 jours qu'ils ont passés à Pleine Fougère. Pendant ce temps, les 39 élèves et les 5 enseignants sont interrogés sans relâche par les enquêteurs de la section de recherche de Rennes. Qu'ont-ils vu? À qui ont-ils parlé? Les gendarmes s'intéressent à la moindre piste. Mais ça ne donne pas grand-chose. Au vu des témoignages des jeunes filles, mais pas uniquement de celles ayant partagé la chambre de Caroline, il y a eu un portrait robot que d'ailleurs je n'avais pas utilisé parce qu'il ressemblait étrangement à l'un des occupants d'une chambre qui n'avait pas eu un comportement très sympathique. Je crois qu'il était très pressé, il voulait prendre sa douche avant tout le monde, il bousculait un peu tout le monde. Et le portrait robot ressemblait étrangement à cet individu. Cet homme qui ressemble au portrait robot, c'est un client de l'auberge, un motard venu visiter le Mont Saint-Michel et sa région. Les gendarmes lui font un prélèvement ADN, résultat négatif. Il n'est pas le meurtrier. 2 jours après le meurtre de Caroline, les interrogatoires des professeurs et des enfants sont terminés. Le juge Zog laisse repartir toute la classe en Angleterre. Si on se résume, en ce début d'enquête, le juge Zog et les gendarmes n'ont pas grand-chose. Ils ont une silhouette aperçue dans la nuit vers 3h du matin, un portrait robot qui paraît inexploitable et, seul élément vraiment tangible, des traces de sperme qui ont donné une empreinte génétique. Celui qui aura la même empreinte sera l'assassin et tous ceux qui auront un profil génétique différent seront innocents. Il faut en priorité retrouver le rôdeur de l'auberge de Pleine Fougère. Les gendarmes passent toute la région au peigne fin. Commerçants, auberges, hôtels,
camping. Et le 20 juillet 96, deux jours après le drame, ils arrêtent un homme, un SDF de 39 ans. Il s'appelle Patrice Padé. Patrice Padé, qui a été vu par un gendarme, fait de l'autostop et ensuite, compte tenu de sa ressemblance avec des personnes ayant été vues très proches de l'auberge l'après-midi précédant la nuit des faits, sera interpellé. Patrice Padé est passé le 17 juillet dans Pleine Fougère. Hein. Il a demandé des cigarettes à un passant, il a discuté avec des gens, il est allé à l'épicerie pour acheter son litre de rosé, donc il ne s'est pas caché en fait. Et puis il a des tatouages partout parce que c'est un ancien tôleur, hein. Donc il ne passe pas inaperçu. Il a un bandana rouge. Alors, c'est vraiment le type qu'on remarque dans un bourg qui fait 2-3 000 habitants, hein, même en plein été. Et très rapidement, des photos de l'intéressé sont présentées aux jeunes filles. Et deux ou trois d'entre elles le reconnaissent comme ayant été aux abords de l'auberge dans l'après-midi précédant les faits. Alors Patrice Padé conteste avoir jamais mis les pieds de sa vie à Pleine Fougère, a fortiori près de l'auberge. Et c'est vrai que très vite, on pense qu'il doit avoir quelque chose à se reprocher. Patrice Padé nie s'être rendu à Pleine Fougère. Et pourtant, on l'y a vu. L'homme est immédiatement placé en garde à vue et passé sur le grill. Il faut que Padé avoue, et qu'il avoue vite. Alors au départ, ils ont été très sympas avec moi. Ils m'ont payé une bière, tu peux fumer, pas de problème. Puis moi, je leur dis, mais bon, attendez, les gars, moi, je suis pas là pour rien, je vais savoir. Et il y en a un qui me dit, mais tu sais pas, t'es sûr, tu sais pas pourquoi. Pleine Fougère, ça te dit rien. Alors au départ, je reconnais, j'ai fait un peu l'innocent. C'est au-delà, je sais comment ça se passe. Je dis, là, si j'ai un avocat d'office, je suis marron. De toute façon, j'étais condamné d'office. Et puis bon, j'ai commencé à faire l'innocent, ils voyaient que je tenais quand même le coup. Et après, ils ont fait les questions-réponses. Patrice Padé ne craque pas. Les gardes à vue, il a l'habitude. Mais les gendarmes ne relâchent pas la pression. Padé a déjà été condamné pour agression sexuelle et aussi pour viol. Marginal au casier judiciaire chargé, il a le profil du coupable idéal. Les heures passent et Patrice Padé continue de nier. Non, il n'est jamais passé à Pleine Fougère. Quant à la petite Caroline, il ne l'a jamais vue. Tout juste a-t-il entendu parler de l'affaire à la radio. À l'issue du temps réglementaire, les gendarmes demandent une prolongation de la garde à vue au juge Zog. 24 heures supplémentaires pour faire avouer Padé. Chaque minute compte. Et le ton monte. Il y a même un moment, ils m'ont mis les menottes avec les pouces retournés et tout, parce que il y en a un qui voyait, je voulais me mettre la tête dans la machine à écrire. Carrément, moi je lui ai dit, hein, de toute façon, moi je dis, je sais comment vous faites, hein, c'est pas la première fois, en fin de compte. Puis là, bon, bah, il m'a dit de reculer et tout, après l'autre, il a enlevé sa montre, sa chevalière, sa télébaf et tout. La pression à l'époque, elle est terrible parce qu'il faut résoudre assez vite, le plus vite possible, cette affaire, hein, qui fait beaucoup de bruit des deux côtés de la Manche. Il faut aller vite, on a un suspect, donc il faut arriver à un résultat rapide. Padé lui-même a dit que les gendarmes avaient une obligation de résultat. Alors lui, il va quand même tenir assez longtemps parce qu'il a connu pas mal d'épisodes de garde à vue déjà dans sa vie. Donc c'est un peu un dur à cuire quand même. Hein. Les gendarmes le tutoient, lui il tutoie les gendarmes, il répond sur le même ton. Mais au bout de 30-35 heures, il est crevé, il est vidé, il n'a pas ses cigarettes ou ses médicaments. Il est souvent debout, il est menotté, a-t-il dit, et bah, il va finir par craquer. Patrice Padé reconnaît être allé à Pleine Fougère, à la demande des enquêteurs, fait un croquis, un plan des abords de l'auberge qui correspond tout à fait. Et puis, il se met à dire qu'il est l'auteur, il parle d'une jeune fille, d'une chevelure blonde. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire des aveux précis et circonstanciés. Mais j'ai pas avoué, en fin de compte. J'ai rien avoué, moi. C'est eux qui m'ont dit, elle était blonde. Et je dis, ouais, si tu veux, elle est blonde. T'as fait ça, ouais, si tu veux, j'ai fait ça. Mais après, j'ai signé, je sais même pas ce que j'ai signé, en fin de compte. Hein. C'est tout, quoi, je veux dire. Et Patrice Padé signe ses aveux. Oui, c'est bien lui qui a tué Caroline Dickinson. Le lendemain, après une nuit de repos, Padé renouvelle ses aveux devant le juge Zog. Et cette fois, il n'y a pas de gendarme pour mettre la pression.
Tout naturellement, Gérard Zog met Patrice Padet en examen pour le meurtre de Caroline Dickinson et l'envoie en prison. À ce moment-là, le juge n'a aucun doute sur la culpabilité du suspect. Pourtant, certains gendarmes ne sont qu'à moitié convaincus. Dans les déclarations de Padet, il y a des détails qui ne collent pas. En garde à vue, Patrice Padet a décrit la chambre numéro 4 de l'auberge de jeunesse d'une manière qui ne correspond pas à la réalité. Alors, par exemple, il a dit que Caroline était une jeune fille magnifiquement blonde alors que la lumière était éteinte dans la chambre. Et il a dit aussi que plusieurs gamines dormaient dans le même lit, ce qui était complètement faux. Donc ça, ça aurait peut-être pu ou dû attirer l'attention et donc arriver à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Comme tout juge d'instruction normalement constitué, j'ai bien entendu lu et relu le procès-verbal d'audition de Patrice Padet. Alors c'est vrai que c'était pas des aveux très, très précis. Si, il n'y avait pas les détails qui pouvaient faire dire qu'on est sûr qu'il n'y était pas. Mais au début de sa garde à vue, il avait contesté s'être retrouvé à Pleine Fougère alors qu'il s'est avéré qu'il y était bien l'après-midi des faits. Je rappellerai aussi que c'était quelqu'un qui avait un casier judiciaire sur lequel figurait une condamnation pour agression sexuelle et une fois par une cour d'assises pour viol. Donc c'est vrai que tout correspond. Pour apporter la preuve irréfutable de la culpabilité de Patrice Padet, le magistrat fait faire une prise de sang sur le prévenu. Un test ADN qui permettra de convaincre les derniers sceptiques. Deux jours après l'arrestation de Padet, et avant même les résultats des tests, Gérard Zog organise avec les gendarmes une conférence de presse. Dans la bibliothèque du palais de justice, il annonce officiellement l'arrestation de l'assassin de Caroline. Ce type d'individu, dans ce genre de circonstances, à partir du moment, si j'ose dire, où il a découvert sa proie, rien ne peut l'arrêter. Une fois que c'est parti, c'est malheureusement parti. 12 jours plus tard, je crois que c'est vers le 8-9 août, nouveau coup de tonnerre. Hein. Les analyses ADN révèlent que le meurtrier, le violeur de Caroline Dickinson n'est pas Patrice Padet, qui bientôt va être remis en liberté et va bénéficier d'un non-lieu. Patrice Padet avait avoué, et pourtant le voilà innocenté par la génétique. À Pleine Fougère, mais aussi en Angleterre, le choc est rude. On pensait l'affaire résolue, et voilà que l'enquête reprend à zéro. La presse se fait bien sûr l'écho de ce gros raté, et on dénonce l'attitude du juge qui a confondu vitesse et précipitation. J'ai tenu cette conférence de presse parce que les abords du palais de justice de Saint-Malo étaient assaillis par toute la presse nationale, chaînes de radio, chaînes de télévision, et que tout le monde savait qu'un individu avait été arrêté et avait été mis en examen et placé en détention par le juge d'instruction. Je crois que personne n'aurait compris que cette information soit confirmée. On pouvait faire une conférence de presse. On pouvait peut-être dire qu'il y avait un suspect, mais il fallait être prudent dans la présentation du suspect. Un suspect n'est pas un coupable, en tout cas pas à mes yeux. Et là, il faut dire que dès le départ, je crois que l'image de Patrice Padet a été totalement faussée. Après 17 jours de détention, Patrice Padet sort de prison totalement blanchi. Les gendarmes doivent maintenant rattraper le temps perdu. Le 8 août, quand tout le monde, tous les médias disent Patrice Padet est innocent, il est libéré, bah, tout le monde est un peu groggy, quoi. C'est la gueule de bois pour tout le monde parce que il y a plus de meurtriers, il y a plus de pistes sérieuses, il y a plus de suspects, donc là ça repart à zéro. C'est sûr que à partir du moment où c'est pas lui et où pendant sa dizaine de jours d'incarcération, c'est vrai que les enquêteurs s'efforçaient de vérifier que c'était bien lui. Pendant ce temps-là, on n'était pas à la recherche du réel auteur. Soyons clairs, sans la génétique qui en 96 en est à ses balbutiements, Patrice Padet, qui avait, comme on dit, la gueule de l'emploi, aurait sans doute été renvoyé devant les assises pour le meurtre de Caroline, et sans doute aurait-il été condamné puisqu'il avait avoué. Un homme qui a avoué ne peut pas être innocent. Eh bien si, et ça grâce à la génétique qui pèse désormais plus lourd que les aveux. Thank you.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque, grâce à l'ADN, Patrice Padé a été innocenté? Quand on m'a dit qu'il y avait un coupable, j'ai sauté de joie. Oui, car nous avions retrouvé l'assassin de Caroline très rapidement. Et aussi parce que cela mettait d'autres jeunes hors de danger. J'étais vraiment très heureux. Et puis une semaine plus tard, mon avocat m'a dit que les expertises ADN démontraient que Patrice Padé n'était pas celui qui avait commis le meurtre. De l'euphorie, je suis retombé dans un puits de désespoir. C'était vraiment horrible. Est-ce que les gendarmes ont perdu leur temps en suivant la piste de Patrice Padé? À ce moment-là, j'ai vraiment perdu toute confiance. Je voulais connaître les circonstances des aveux de Patrice Padé. Et surtout, je voulais comprendre pourquoi les enquêteurs qui avaient été sur la scène de crime n'avaient pas réalisé que ces aveux étaient complètement bidons. À ce moment-là, vous vous dites que votre place est plutôt d'être en France pour mettre, vous, le maximum de pression sur l'enquête. En Angleterre, la police a compris depuis très longtemps que les familles peuvent aider l'enquête en faisant des appels au public. En France, on ne nous demandait rien, alors j'ai décidé d'y aller et de lancer des appels. Pour moi, il était évident que dans ce crime horrible, quelqu'un, quelque part, devait savoir quelque chose. Je fais un appel solennel à quiconque pourrait posséder une information et demande de prendre contact avec le juge d'instruction de Saint-Malo ou avec la gendarmerie. John Dickinson, agacé par le manque de résultats de l'enquête, se met à occuper le devant de la scène. Il vient à Rennes, il fait des déclarations, et il va en faire comme cela quasiment tous les deux mois pour dire « ça se passe mal, je voudrais être entendu, je voudrais qu'on m'accueille, je voudrais connaître la vérité, je ne suis pas sûr ». À ce moment-là, il ne le dit pas trop au début, mais que les enquêteurs français font bien leur travail. Je suis surpris que... Voilà, il interpelle tous azimuts, et son arme à ce moment-là, c'est la presse. John Dickinson était déterminé à ce que l'affaire soit résolue et que celui qui avait pris la vie de sa fille soit arrêté et livré à la justice. Je suis sûr que sa détermination a maintenu la pression sur le juge d'instruction et les gendarmes français, mais aussi sur les autorités anglaises, car il voulait que la pression soit mise à tous les niveaux. Est-ce que le juge Zog vous parle? Est-ce qu'il vous appelle, je ne sais pas moi, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour vous donner toutes les informations qu'il a à sa disposition? Non. De ce côté-là, c'était le silence. Notre avocat, Maître Hervé Rousseau-Leboeuf, était le seul lien, comme encore aujourd'hui, que nous avions pour obtenir des informations du juge. J'étais très inquiet du fait que M. Zog ne nous dise rien. Et lors d'un de mes premiers voyages en France, il a refusé de me rencontrer, ne serait-ce que 5 minutes, pour parler de l'évolution de l'enquête. Ça m'a rendu très inquiet. Je me disais, le secret de l'instruction, ça peut vraiment cacher beaucoup de choses. L'inquiétude du père de Caroline est relayée par la presse anglaise. Là-bas, l'affaire Dickinson fait toujours la une. L'opinion publique britannique exige des résultats. Il faut retrouver le meurtrier et y mettre les moyens. Alors Dominique Rizet, pour faire pression sur la justice française, la presse anglaise a un méga argument. C'est l'affaire Céline Figard. Alors expliquez-nous, qui est Céline Figard? Qui était Céline Figard? Céline Figard, c'est cette jeune Française de 19 ans qui va disparaître en Angleterre 6 mois avant la mort de Caroline Dickinson en France, 19 décembre 1995. Elle fait de l'autostop, elle rend visite à des amis en Angleterre. Les derniers témoins se souviennent l'avoir vue monter dans le camion d'un routier. Alors, sa disparition va bouleverser l'Angleterre. Tout le monde se mobilise et son portrait va être affiché dans tout le pays. Malheureusement, on la retrouve peu de temps après, on retrouve son corps. Elle a été assassinée en bordure d'une forêt dans le sud de l'Angleterre. Et l'enquête alors?
Alors là, l'enquête va être exemplaire. Les Anglais, ce sont des champions de la police criminelle depuis toujours. Et là, on va vraiment leur donner les moyens parce qu'on va affecter 75 détectives à plein temps sur cette affaire. Et ça, ça va payer parce qu'en 2 mois, l'assassin de Céline Figard va être identifié, arrêté. Il a 37 ans, c'est effectivement un routier anglais. C'est lui, c'est dans son camion qu'on a vu monter Céline. Il est marié, il est père de 3 enfants et va être condamné à la prison à perpétuité. Au fond, donc, la presse britannique est très fière du succès dans l'affaire Figard et réclame qu'on renvoie l'ascenseur en quelque sorte dans l'affaire Dickinson. Tout à fait, Christophe, et voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner dans la presse anglaise, c'est le déchaînement. Les flics ont tout foutu en l'air, écrit le Daily Mirror. L'enquête bâclée, les enquêteurs français qui cherchent plus un coupable que la vérité, le Guardian qui titre « L'enquête se transforme en chaos et en rumeur », le Standard qui fait remarquer que sur 23 ressortissants anglais qui ont été tués en France au cours des 20 dernières années, eh bien, 2 affaires seulement ont été élucidées. La presse anglaise met la pression et d'une certaine manière, ça marche. Le juge Zog donne un coup d'accélérateur à l'enquête. Il fait interroger en France, en Italie et en Suisse tous les clients qui ont fréquenté l'auberge de jeunesse à la même époque. Et il envoie des gendarmes en Angleterre pour réentendre tous les élèves et tous les professeurs qui accompagnaient Caroline. Ça ne donne rien. On est 1 mois après la mort de la petite Caroline et c'est là que les gendarmes apprennent que la nuit du meurtre, une autre adolescente de 14 ans, anglaise elle aussi et qui se prénomme Kate, a été agressée sexuellement dans une auberge de jeunesse à Saint-Lunaire. On est à quelques kilomètres seulement de Plaine Fougère. À Saint-Lunaire, 2 jeunes filles qui étaient présentes dans la chambre, dans la nuit, ont vu un individu qui était en train de stranguler leur copine allongée sur le lit. Et en entendant les râles de leur copine, de Kate, ont allumé la lumière et ont interpellé l'individu en le prenant pour un de leurs profs. Mais ça n'est pas un professeur qui se trouvait dans la chambre de Kate et de ses copines cette nuit-là, à Saint-Lunaire. C'était un rôdeur qui a pris la fuite en voiture. Le lendemain matin, Kate et ses amis racontent à leurs enseignants ce qui leur est arrivé. Mais leur classe doit rentrer le jour même en Angleterre. Et puis l'une des filles est connue pour être légèrement affabulatrice. Alors, malgré les traces visibles d'agression sur le cou de Kate, personne ne porte plainte. Ça n'est que de retour en Angleterre, quand ils entendent parler du meurtre de Caroline, que les professeurs signalent l'agression à la police anglaise. Il faudra encore plusieurs semaines avant que l'information ne remonte enfin jusqu'aux gendarmes français. L'affaire de Saint-Lunaire relance aussi les investigations par rapport à celle de Plaine Fougère parce que l'auberge de jeunesse de Saint-Lunaire figure sur le même dépliant de publicité que celle de Plaine Fougère. Donc on peut penser qu'on a affaire à un individu qui est un habitué des auberges de jeunesse et qui ait pu, à partir de Plaine Fougère, trouver cette adresse sur le prospectus et aller à Saint-Lunaire. Et peut-être avec une méthode de surveillance, voir qu'il a aussi, il avait affaire à un groupe de jeunes anglaises et que les proies étaient identiques et donc il pouvait œuvrer de la même manière. C'est donc peut-être le même homme qui a agressé Kate à Saint-Lunaire et tué Caroline Dickinson à Plaine Fougère. Le juge Zog décide de confier ces 2 enquêtes au même groupe de gendarmes. Mais il se refuse à fusionner les 2 dossiers d'instruction. Une année est passée depuis la mort de Caroline et les recherches sont toujours au point mort. Le meurtrier reste introuvable. Alors à nouveau, John Dickinson demande publiquement des comptes et des résultats. L'enquête n'a pas avancé et il faut que les autorités françaises comprennent bien que nous ne resterons pas sans rien faire, les bras croisés, à attendre calmement que l'enquête progresse. John Dickinson fait ouvertement des reproches aux magistrats. Il dénonce l'absence de réussite, le manque de communication et le secret qui entoure l'enquête. John est venu en France avec sa femme Susan. Il a frappé à la porte du juge d'instruction et tout ce que le juge d'instruction pouvait lui dire, c'est que j'ai rien à vous dire parce que je suis tenu par le secret d'instruction.
Effectivement, c'était un mur de silence. Mes relations avec la famille Dickinson, je, en tant que père de quatre filles, je compatissais à leur douleur. La communication était plus difficile par la distance et par le barrage de la langue. Ceci étant, ils avaient un avocat et bon, j'ai reçu la famille Dickinson une ou deux fois, mais le suivi quotidien et l'information de la famille Dickinson, c'était le rôle de leur avocat. Les avocats des victimes sont faits pour ça. Maître Rouzelbeuf, vous êtes l'avocat de la famille Dickinson. Dès le début, le courant ne passe pas entre la famille Dickinson et les enquêteurs et le juge d'instruction. Ce qui, pour la famille Dickinson et moi-même, est apparu comme non satisfaisant assez vite, c'est que l'enquête partait dans tous les sens. Nous n'avions pas le sentiment que les enquêteurs initiaux avaient défini des axes d'enquête auxquels ils auraient pensé d'une manière approfondie au préalable. On avait l'impression que ça partait un peu dans tous les sens et que les enquêteurs n'allaient pas jusqu'au bout de leur recherche. Et assez rapidement, la famille Dickinson et moi-même, nous nous sommes inquiétés. Voilà. Et nous en avons parlé au juge d'instruction qui s'est progressivement fermé. Qui n'a plus voulu rencontrer John Dickinson. Il y a eu un blocage qui est apparu progressivement. Je ne pourrais pas vous dire ce qui a véritablement provoqué ce blocage. Je crois que c'est un phénomène graduel. Est-ce qu'au fond, le plus gros obstacle dans cette affaire, entre l'enquête d'un côté et la famille Dickinson de l'autre, ça n'est pas cette barrière de la langue qui fait que, voilà, on a affaire à des gens qui ne parlent pas la même langue et qui n'arrivent pas à se comprendre? Derrière une langue, il y a une culture. Et je crois, au-delà de la langue, je crois qu'il y a eu une incompréhension d'ordre culturel. L'attente de victimes britanniques habituées à des contacts quotidiens avec la police, et en face, en France, une culture de secret, une culture de distance. Le juge d'instruction en France était, et encore souvent, un personnage hein, qu'on n'approche pas. Il y a le secret de l'instruction, le juge d'instruction n'est pas un simple enquêteur. Or, pour la famille Dickinson, comme pour tout Britannique, le juge d'instruction, au fond, c'était un commissaire de police. Et puis, je crois qu'il y a un certain orgueil judiciaire français hein, que j'ai rencontré à cette occasion. Il s'agissait d'étrangers qui étaient un peu exigeants, plus exigeant sans doute que des victimes françaises. Et j'ai senti qu'on trouvait que ces Anglais en demandaient peut-être un peu beaucoup, qu'ils étaient exigeants. C'est à ce moment-là que la famille Dickinson décide de demander au juge de déployer les grands moyens. John Dickinson voudrait qu'on prélève l'ADN de tous les hommes de Plaine Fougère. J'ai surtout, au début du mois de juillet 1997, soit un an après les faits, reçu une demande d'acte déposée par l'avocat de M. Dickinson, me demandant de rechercher l'ADN de tous les habitants de Plaine Fougère de sexe masculin entre 15 et 45 ans. J'ai refusé parce que je considérais que les quelques hommes de Plaine Fougère déjà condamnés pour crimes sexuels ou qui de près ou de loin auraient pu commettre les faits, bah, il y a bien longtemps qu'on leur avait prélevé leur ADN, et que les autres, je ne me voyais pas aller perturber des certains nombres de personnes qui n'avaient rien à voir, et surtout, je n'en voyais pas l'intérêt, sachant en plus que, en plein mois de juillet, à Plaine Fougère, la population est peut-être doublée par deux, et que de toute façon, il y avait la moitié des hommes s'étant trouvés à Plaine Fougère en juillet 96 qui passaient à côté. La famille Dickinson, dont vous êtes dans cette affaire le porte-voix, le porte-parole, demande que l'on teste sur le plan génétique toute la population de la région de Plaine Fougère. Pour la famille Dickinson, c'était important. C'était important parce que ce type de méthode, ce mode d'investigation avait donné en Angleterre des résultats positifs. Et il était légitime que la famille Dickinson, voyant que l'enquête n'avançait pas, se dise mais pourquoi ne pas faire ce qui donne de bons résultats chez nous ? Bon, je l'ai donc demandé au juge, qui n'a pas voulu. J'ai
voulais travailler sur ce sujet, j'en ai parlé à plusieurs reprises, et finalement, j'ai fait une demande en bonne et due forme. C'est-à-dire que j'ai, conformément aux règles du Code de procédure pénale, j'ai demandé cette mesure d'investigation. Je savais qu'elle me serait refusée. Par le juge ? Par le juge, je le savais. Et donc vous allez devant la cour d'appel pour dire le juge me l'a refusé, oui, mais on le veut quand même. Oui, la cour d'appel vous donne raison. Exactement. Le juge est donc dessaisi, de fait. Oui, de fait, oui. C'est ce que vous cherchiez ? Oui, nous cherchions à débloquer ce qui était apparu comme une difficulté majeure de relation. Et en plus, il y avait cette absence de résultat. Il fallait relancer l'enquête et la cour d'appel a relancé l'enquête et a confié la suite de l'instruction judiciaire à l'un des magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, M. Renaud Van Rimbeck. Et effectivement, il y a eu un changement à vue. Un juge s'en va, un autre arrive. Il s'appelle Renaud Van Rimbeck et il deviendra un juge star. Monsieur le juge Van Rimbeck, vous héritez du dossier, vous débarquez dans le dossier. Est-ce que vous rencontrez la famille Dickinson ? Oui, très vite, oui. Alors, est-ce que le papa de Caroline vous dit d'emblée qu'il a une idée derrière la tête ? Lui, il voudrait qu'on fasse des tests ADN dans tout le village de Plaine Fougère, tous les garçons. Puisque le dossier est au point mort, puisqu'on est dans une zone rurale, comme beaucoup d'affaires de ce type, on constate qu'une personne qui commet une agression sexuelle très souvent habite très proche dans les lieux ou très près. C'est la raison d'être pour laquelle la cour va être saisie. C'est-à-dire qu'elle va ordonner cette mesure qui est demandée à corps et à cri par la victime et qui est refusée par le juge précédent. C'est une différence d'appréciation, si vous voulez, qu'on a eue par rapport au juge. Voilà. Décider de tester tous les garçons à maturité sexuelle de Plaine Fougère, c'est une décision lourde à prendre quand même, parce que c'est faire peser la suspicion. Non, c'est pas faire peser la suspicion. La suspicion, elle existait depuis un an sur Plaine Fougère. C'était une façon, en réalité, de disculper Plaine Fougère. Octobre 97, tous les hommes de Plaine Fougère âgés de 15 à 60 ans sont donc obligés de se soumettre à des prélèvements de salive afin qu'on puisse établir leur profil génétique. Le but est de vérifier définitivement si oui ou non le meurtrier de Caroline est un habitant de la région. Les gens de Plaine Fougère se sont rendus de façon très civique à ces prélèvements d'ADN, tout en étant tous persuadés que ce n'était pas, il n'y aurait pas quelqu'un de Plaine Fougère. Mais comme cela, ça permettait aussi de faire retomber la pression et la pression médiatique sur Plaine Fougère, ce village maudit. On nous passe une sorte de petite brosse à dents pour nous enlever des substances à l'intérieur de la bouche et puis. Puis c'est tout, quoi. Après, ils posent les scellés, et puis voilà. Les tests ADN à Plaine Fougère ne donnent rien. Donc, ça a un avantage, c'est que ça permet d'éliminer des hypothèses. Donc, Van Rimbeck reprend tous les dossiers, un à un. Il fait traduire ceux qui n'ont pas été traduits. Et là, il découvre que tous les renseignements n'ont pas été exploités, et notamment que, en revenant sur cette fameuse nuit du 17 au 18 juillet 96 à l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère, on n'est pas sans témoignage. Il s'est passé des choses que des gens ont entendues et ont vues cette nuit-là à l'intérieur de l'auberge de jeunesse. Des témoins ont vu et entendu des choses la nuit du meurtre. Le juge Van Rimbeck découvre un témoignage important qui n'a jamais été exploité jusqu'ici. C'est celui de la directrice du collège de Caroline. Dans sa déclaration, elle affirme qu'un des enseignants qui encadrait le groupe a vu un rôdeur la nuit du meurtre, mais qu'il n'a pas osé en parler. Renaud Van Rimbeck envoie des gendarmes à Lewiston pour entendre ce professeur. Et il confirme, il a bien croisé un rôdeur dans les couloirs de l'auberge. C'était vers minuit et demi. Mais dit-il, en apprenant la mort de Caroline, le lendemain matin, il ne fait pas le rapprochement. Plus tard, lorsqu'il comprend que ce rôdeur ne pouvait être que l'assassin, il est pris d'un sentiment de culpabilité et donc il ne dit rien. Il aura fallu plus d'un an pour que ce professeur de Caroline soit finalement entendu par les gendarmes français. C'est un témoignage capital. Les enquêteurs ont pour la première fois un témoin oculaire. Ils vont enfin pouvoir établir un portrait robot. Deux enquêteurs du SRPJ de Rennes spécialisés dans les portraits robots avaient accompagné les gendarmes français lors de ce transport.
Donc le portrait robot est établi avec ce professeur, lequel a des notions de dessin importantes et s'est permis de rectifier la chevelure de l'individu qui avait été décrit dans le portrait robot. Le portrait robot est montré aux camarades de classe qui accompagnaient Caroline. Trois jeunes filles reconnaissent l'individu. Elles ont bien vu cet homme aux cheveux longs et aux sourcils broussailleux rôder dans les parages de l'auberge. Les gendarmes décident, en accord avec le juge Van Ruynbeeck, de publier le signalement du suspect dans la presse. En quelques semaines, ils reçoivent plus de 3000 coups de téléphone. La plupart ne débouchent sur rien, sauf un. Un homme qui travaillait sur un chantier dans la région de Pleine-Fougère au moment du meurtre, en voyant le portrait robot, pense que la personne qui est ici dessinée est un de ses collègues de travail, un travailleur saisonnier. Et donc, il en fait part d'une manière anonyme au magistrat. Et à partir de là, avec un systématisme têtu, on va essayer de découvrir tous les chantiers de la région de Pleine-Fougère de cette époque et retrouver tous les gens qui travaillaient sur ces chantiers. Et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de saisonniers, donc ils sont partis aux quatre coins de la France. La piste des chantiers nous a révélé 46 personnes vraiment intéressantes et avec le résultat d'ADN, a permis de les disculper et de fermer cette porte. Donc vous testez les hommes de Pleine-Fougère. Donc ça, c'est la... ça donne rien ? Oui. Vous testez ensuite les ouvriers des chantiers de la région ? Oui. Et là, c'était un peu un puits sans fond, si vous voulez. Mais il fallait quand même le faire. Puisque c'est un puits sans fond, est-ce que vous n'avez pas l'impression, à ce moment-là, de vous épuiser et d'épuiser avec vous les gendarmes qui sont le bras armé de vos décisions ? Si, bien sûr. Mais on se dit, de toute façon, on aura fait ce qu'on devait faire. Ça coûte cher de faire ça. Combien ça coûte un test ADN ? Alors... Nous, ça n'a rien coûté en termes de coûts d'honoraires, puisque les labos de police, et ça, faut le dire et le mettre à leur crédit, les labos de police scientifiques ont accepté, m'ont proposé d'entrée de jeu, de faire les tests gratuitement. On n'aurait pas pu programmer autant de tests s'il y avait eu un coût d'honoraires lourd derrière, parce que si on s'était adressé à un labo privé, c'était entre 2000 et 4000 francs l'expertise, à l'époque. Donc ça, il n'en était pas question. Alors, parallèlement à cette recherche d'ADN, il y a donc cette piste d'une auberge de jeunesse voisine dans laquelle une jeune Anglaise, elle aussi, voilà, au même moment, a été agressée. Voilà, alors là... Ça, c'est votre autre piste. Oui. Oui, c'est-à-dire que en étudiant le cas de Saint-Lunaire, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup de similitudes. Donc, on n'était pas forcément en face d'un fait isolé, mais de quelqu'un qui s'était déplacé sur deux auberges. Donc là, ça remettait en piste non plus le critère local Pleine-Fougère, mais ça remettait en piste le critère, ce que j'appelais moi le critère auberge. En tout cas, vous faites quelque chose que votre prédécesseur, le juge Zog, n'avait pas fait, c'était refusé à faire, vous fusionnez les deux dossiers. Il n'y a plus qu'une seule enquête, a priori on cherche un même homme. Oui. Et puis, ça m'a ouvert une autre piste. Si c'est quelqu'un qui tourne autour des auberges, c'est peut-être quelqu'un qui pratique ça ailleurs que dans la région. Donc ça, c'était l'autre axe. L'idée, au fond, ça serait qu'il peut s'agir d'un serial violeur, de quelqu'un qui attaquerait les jeunes filles dans les auberges de jeunesse. Oui. Oui. Donc vous faites quoi, là, à partir de cette idée ? À ce moment-là, je réunis les gendarmes. Et je leur demande d'aller rechercher toutes les procédures en France faites sur les auberges de jeunesse, tous les signalements, ressortir tous les signalements. Dans toutes les auberges de jeunesse en France ? De France, partout. Et ça va même aller très loin parce qu'ils vont faire les auberges de jeunesse et établissements assimilés. Les colonies, tous les endroits où vous pouvez avoir des groupes d'adolescents qui peuvent intéresser ce type d'individus. Bon. Et je leur demande également de ressortir toutes les procédures. Enfin, ils ressortent toutes les procédures, mais aussi procéder à l'audition de tous les responsables d'auberge. J'exploite tout ça, et là, il y a une centaine de noms qui ressortent. Et parmi toutes ces affaires explorées une à une par les gendarmes, il y a une histoire qui ressemble beaucoup à l'histoire de Pleine-Fougère. Elle se déroule à La Croix-en-Touraine, en Indre-et-Loire, 2 ans plus tôt. C'était en 94, là aussi dans une auberge de jeunesse.
un homme est surpris en pleine nuit dans la chambre d'une collégienne irlandaise. Il parvient à prendre la fuite, mais il est finalement interpellé le lendemain après-midi. L'affaire n'est pas bien grave et on le remet vite en liberté. Pour le juge Van Ruynbeek, c'est une piste, car on a là les mêmes ingrédients qu'à Plaine Fougère et à Saint-Lunaire. Une auberge de jeunesse, une intrusion de nuit et un groupe de jeunes adolescentes étrangères. Il voudrait donc en savoir plus sur cet homme. Seulement voilà, les gendarmes qui ont arrêté le rôdeur à la Croix en Touraine n'ont pas relevé son ADN, ni pris ses empreintes digitales. Ils n'ont pas non plus de photos. Rien que le magistrat puisse comparer aux témoignages des copines de Caroline et à ceux des enseignants. Heureusement, ils ont tout de même noté son nom. Francisco Arce Montes. C'est un Espagnol déjà condamné pour des agressions sexuelles. Il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est que son âge, à l'époque des faits, c'est-à-dire 46 ans, ne correspond pas à l'âge décrit par les témoignages. C'est-à-dire que les témoins disaient un homme de 30-35 ans maximum. Qu'importe, c'est une piste et il faut retrouver ce Francisco Arce Montes pour l'interroger et surtout pour prélever son ADN. Sur le procès-verbal établi lors de son interpellation, Arce Montes a déclaré habiter à Londres. La cellule Dickinson demande le concours de la police britannique, mais Scotland Yard arrive trop tard, Arce Montes a filé et il n'a pas laissé d'adresse. Alors, peut-être est-il chez sa mère, en Espagne. Les policiers se retrouvent donc face à la maman d'Arce Montes, qui leur explique qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils, elle ne l'a pas vu depuis longtemps. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était il y a quelques mois pour lui remettre sa part d'héritage après le décès de son père. Depuis, il a vidé ses comptes en banque et plus de nouvelles. Et là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Les policiers espagnols oublient de demander à la mère d'Arce Montes une photo qui aurait pourtant été bien utile à l'enquête. Ça vous aurait été utile quand même, une photo d'Arce Montes? Non seulement une photo, mais ce qui nous aurait été utile, c'est de savoir qu'il avait été incarcéré pour viol ou pour agression sexuelle, je ne sais pas exactement, mais qu'il avait été incarcéré entre-temps en Espagne. Et ça, ils ne vous le disent pas? Inconnu au bataillon. Pas de fait. On ne nous signale aucun fait en Espagne. Non, ils ne nous le disent pas. Ils le savent ou ils négligent de vérifier? Ah ben ça, il faudrait poser la question à Interpol. Il y a ce que j'appelle un dysfonctionnement. On peut imaginer que s'il vous l'avait signalé, en retour, vous auriez demandé si par hasard il n'avait pas une empreinte ADN d'Arce Montes dans leur fichier. Ah ben, c'est la première chose qu'on aurait demandé. Et puis, si on avait su qu'il avait commis, qu'il avait été incarcéré pour un viol peu après, dans l'année qui a suivi les faits de Plaine Fougère, on s'y serait peut-être davantage intéressé à ce moment-là. Mais ça, c'est tout le problème de la coopération internationale. C'est que, et c'est, moi, c'était un peu ma crainte au départ, c'est qu'on ait affaire à quelqu'un qui franchisse les frontières. Seulement voilà, alors que l'enquête est en train d'avancer à grands pas, le juge Renaud Van Ruynbeek est muté à Paris. Un nouveau juge, Francis Debon, le remplace. C'est le troisième juge en 4 ans. Dans le dossier dont il hérite, il a le nom de Francisco Arce Montes. Il restait, si je me souviens bien, à mon arrivée, environ 49, une cinquantaine de personnes diffusées qui n'avaient pas été encore identifiées, dont Arce Montes. Donc, nous le recherchons. C'est-à-dire que l'espoir est là, c'est de le trouver, de l'interpeller, de le prélever et de vérifier si son empreinte génétique correspond ou ne correspond pas avec celle qui a été identifiée sur le corps de Caroline. Son profil nous intéresse dans la mesure où l'on sait qu'il a été poursuivi en Allemagne pour des faits de viol, qu'il a été condamné pour ces faits et que par conséquent, il est susceptible en tout cas de pouvoir commettre de faits de même nature. Le signalement de Francisco Arce Montes est envoyé à toutes les polices d'Europe avec ordre de l'arrêter sur le champ, sans succès. Je me suis vraiment posé la question à un moment donné, de savoir si on n'allait pas dans un mur. C'est vrai que on s'est posé des questions et le temps s'écoulant, oui, le découragement commençait à poindre un peu. On le ressentait, hein, même si on ne voulait pas le laisser paraître. Ça fait presque 5 ans que Caroline a été assassinée. Alors bien sûr, comme ça n'avance pas, les juges, les gendarmes sont critiqués, mais tout de même, que de moyens mobilisés en hommes et en argent, que de pistes explorées en France, en Europe. On est au cœur de l'une des enquêtes les plus coûteuses de l'histoire judiciaire.
Et pourtant, c'est par hasard que l'assassin de Caroline va être arrêté. Complètement par hasard. En avril 2001, à Launceston, on organise une cérémonie en souvenir de Caroline. 5 ans, déjà. Les enquêteurs français et le juge de Bon font partie de la liste des invités. Et le destin a voulu que, quelques jours avant ce déplacement, je sois contacté par une journaliste du Sunday Times qui m'a posé un certain nombre de questions. Et à cette occasion-là, faisons un petit peu le bilan des investigations. Je lui ai fait observer que certaines personnes avaient été diffusées sur le territoire britannique, dont Francisco Arcémontès. Dans son article, la journaliste du Sunday Times publie le nom d'Arcémontès. C'est la première fois qu'il apparaît dans la presse. Et selon la journaliste, c'est le suspect numéro 1. Dès le lendemain, de l'autre côté de l'Atlantique, un policier américain, Tommy Onko, de permanence au service d'immigration de l'aéroport de Détroit, sirote son café en lisant le Sunday Times. Il revient de France, où il a passé ses vacances, il tombe sur l'article. Conscience professionnelle, vérification rapide, Tommy Onko tape le nom d'Arcémontès sur son clavier. En faisant les vérifications, je me suis aperçu que la personne était entrée sur notre territoire. J'ai vérifié que le nom et la date de naissance correspondaient bien, et je me suis aperçu qu'Arcémontès avait été arrêté à Miami. Et pourquoi il avait été arrêté? Alors la machine judiciaire s'est mise en marche et la police française a tout de suite été avertie. Francisco Arcémontès est en prison en Floride. Il attend d'être jugé pour une tentative d'agression sexuelle sur une collégienne irlandaise. Il a été pris en flagrant délit dans un motel où dormait la jeune fille et toute sa classe, comme à Saint-Lunaire et comme à Plaine-Fougère. Les justices françaises et américaines se mettent en contact. La justice américaine, bien sûr, accepte de collaborer avec la justice française et donc de garder Arcémontès sous clé le temps qu'on pratique les fameux tests ADN, c'est-à-dire que la trace ADN retrouvée sur le corps de Caroline va être comparée très vite à l'empreinte génétique de Francisco Arcémontès. Alors ça va prendre, bien sûr, quelques jours, quelques semaines, puisqu'on va faire des tests, on va faire une expertise, une contre-expertise, une troisième expertise, avant que le verdict tombe. L'analyse qui vient d'être pratiquée révèle qu'il existe des similitudes très importantes avec l'empreinte relevée à Plaine-Fougère. Le dimanche 15 avril 2001, un dimanche de Pâques, l'avocat général de la cour d'appel de Rennes annonce devant les caméras de télévision que les résultats des tests effectués sur Arcémontès sont positifs. Oui, l'ADN de l'Espagnol est bien le même que celui retrouvé sur les lieux du crime. Sa culpabilité ne fait aucun doute. La justice tient l'assassin de Caroline. La première réaction, c'est de dire c'est incroyable, c'est à la fois fantastique, c'est le début de la fin d'une énigme, c'est le soulagement. On pense tout de suite, la première pensée va à monsieur et madame Dickinson. Je crois que c'est vraiment notre réaction. On s'est dit que c'était peut-être là la fin de leur combat, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. C'était l'aboutissement de leur combat, hein, tout simplement. Arcémontès, arrêté aux USA, refuse d'être extradé dans l'immédiat vers la France. Il veut d'abord être jugé aux États-Unis pour l'agression sexuelle qu'il a commise en Floride. Il veut purger sa peine et ensuite, on verra. Il a le droit américain de son côté. Il cherche donc à gagner du temps. Mais la justice américaine va donner un petit coup de main à la justice française pour contourner la loi. Elle va libérer Arcémontès sous caution contre une toute petite somme d'argent. Arcémontès paye, il est libéré. Et qui l'attend devant le palais de justice ? Les agents du FBI, munis d'un mandat d'arrêt international, ils l'arrêtent et le mettent dans un avion, direction Paris. Je crois, Dominique, qu'il est temps de faire le point sur l'incroyable casier judiciaire d'Arcémontès. On a affaire à un véritable maniaque.
Ouais. Alors, il a un beau casier judiciaire, entre guillemets. Il a même un casier judiciaire international. Alors, bon, la dernière affaire en date, c'est celle qui lui a valu d'être arrêté aux États-Unis, 2001. Mais en fait, il a commencé beaucoup plus tôt. Il a commencé en 1974, en Espagne. Il a été arrêté pour la première fois là-bas pour une affaire d'exhibitionnisme, hein, 1974. Après, il y a une période très importante dans sa vie. C'est la période 1980 et 85, où là, ça se passe en Allemagne, c'est sa période allemande, et on voit vraiment se construire le monstre, on le voit monter en puissance. Grâce à Interpol Allemagne, on a retrouvé un petit peu ce qu'il avait fait là-bas. En 1981, encore une affaire d'exhibitionnisme sur une mineure à Brême. En 84, mai 84, une affaire de mœurs à Schleiden. Décembre 85, viol sur une femme majeure. Avril 87, attentat à la pudeur à Aix-la-Chapelle. Juillet 87, un autre viol, cette fois-ci sur une mineure. Et en avril 88, là, il viole deux femmes, deux autostoppeuses à Kupingem. Il est condamné à 5 ans et demi de prison. Il va effectuer les deux tiers de la peine et à l'issue, il est extradé, il est expulsé vers l'Espagne. En fait, c'est un peu complexe le parcours judiciaire d'Arce Montes parce qu'il a beaucoup voyagé. Après cette période-là, au début des années 90, on le retrouve en France. Entre 94 et 96, il est à Londres, en Angleterre, il travaille dans un restaurant. Mais en 96, il est aussi en France où il tue Caroline Dickinson. Et puis en 97, il est reparti en Espagne où là, il tente de violer sous la menace d'un couteau une jeune femme à Llanes. Là, il est placé sous contrôle judiciaire 2 mois et demi, et puis on le relâche, ça tient pas debout, on le relâche, on espère qu'il va se présenter pour être jugé, évidemment, il ne reviendra jamais. Et puis après, il y a la période américaine, mais il est aussi passé en Suisse, il est allé au Chili, il est allé au Mexique. Ça veut dire que partout, quand il sera arrêté, on va ressortir des dossiers où le mode opératoire du violeur ou de l'assassin ressemble à la façon de faire d'Arce Montes. Voilà la personnalité de l'homme qui va maintenant falloir juger. Docteur Martorell, vous êtes l'expert psychiatre qui a expertisé Francisco Arce Montes. Alors à quoi est-ce qu'il ressemble ? On dirait de lui que c'est un anormal mental. Quand on connaît son histoire. Mais quand on le voit, quand on parle avec lui, il se présente comme un homme gentil, un petit peu timoré, un petit peu timide, un petit peu mal à l'aise. C'est un homme assez accessible finalement et presque très accessible, trop accessible, presque infantile. Son attitude a quelque chose d'enfantin. Parlons justement de son enfance. Il vous dit qu'il a eu le sentiment que sa mère ne l'aimait pas et ne le désirait pas. Alors, effectivement, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que sa mère ne l'a pas désiré. Il nous dit qu'il est venu au monde 9 ans après sa sœur. Il nous dit que bon, il n'a pas vraiment été un enfant en harmonie avec le milieu dans lequel il a vécu. Mais il a été pris en charge par ses grands-parents, par sa grand-mère, par son grand-père. Donc il avait des repères. Sa grand-mère l'aimait beaucoup. Sa grand-mère l'a toujours défendu. Et sa mère était stricte, mais probablement qu'elle l'a aimé davantage que lui ne le reconnaît. Sa sexualité, puisque c'est au cœur de ce parcours d'errance en Europe, qu'est-ce qu'il dit sur sa sexualité? Est-ce qu'il en parle facilement? La sexualité, ben justement, il n'y a pas tellement de sexualité. La sexualité commence à 30 ans pour lui. Avant 30 ans, c'est un homme qui ne s'est adonné qu'à la masturbation. Son rapport aux femmes, il avait très peur des femmes. Il était très mal à l'aise avec les femmes. C'est un homme qui fonctionne centré sur lui-même. C'est lui, il se masturbe. Et puis, comme il dit, il a ses fantasmes pour la masturbation. Et quand il est avec une femme, il est probable que dans sa tête, il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner de véritable satisfaction dans un échange équilibré avec une femme. Il prend des médicaments. Il prend des médicaments. Et puis pas des médicaments légers, il prend du lourd. Alors, il prend des lourds, il a un cocktail qui lui est propre, c'est-à-dire que ce qu'il nous dit, je prends 5 comprimés d'anafrénil 25 mg, c'est-à-dire 125 mg, ce qui est une dose assez conséquente, et puis sur ça, je prends une demi-bouteille de whisky. Alors, quand il a pris ça, il dit, alors là, je suis en pleine forme, je pète la forme, je suis très bien, et j'aurais même tendance à passer les bornes, à outrepasser la bienséance et ce qu'on ne doit pas faire. Le jour où il tue Caroline, il a pris ses médicaments et il bu le whisky. Il a bu du whisky, il est en dérive,
Et c'est comme ça qu'apparemment il aurait rencontré la jeune fille et qu'il l'aurait agressée et tuée. Le 7 juin 2004, presque 8 ans après la mort de Caroline, s'ouvre le procès de Francisco Arce Montes. Écran géant dans la cour pour ceux qui ne trouvent pas de place à l'intérieur, cabine d'interprète pour les traductions simultanées, on a fait les choses en grand. Francisco Arce Montes refuse d'être filmé ou pris en photo par la presse. Mais pour tous les participants au procès, et surtout pour les parents de Caroline, l'important, c'est qu'il parle. Avant le procès, on a un peu l'impression que celui-ci est pratiquement joué d'avance. C'est-à-dire que, dans ce que l'on peut lire, la question de la culpabilité n'est plus discutée. Dans la mesure où les tests ADN, dont on avait énormément parlé, démontraient qu'il était présent sur les lieux, il était nécessairement coupable du crime de meurtre. Donc la question n'est pas de savoir si lui ou non a donné la mort, mais de savoir s'il a voulu ou non donner la mort à Caroline Dickinson. Voilà tout l'enjeu de ce procès. Si Arce Montes est reconnu coupable de l'assassinat de Caroline, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais si l'intention criminelle n'est pas retenue, si les jurés estiment que l'accusé n'a pas fait exprès de tuer l'adolescente, alors là, ça change tout. La peine prévue n'est plus que de 30 ans et il pourrait bénéficier de remises de peine. Alors les débats ne portent que sur cette seule question. Arce Montes a-t-il, oui ou non, tué délibérément Caroline Dickinson? Tout le procès d'abord tourne autour de la personnalité d'Arce Montes. C'est vrai que pendant une semaine, on ne cherche qu'à comprendre qui il est et pourquoi il en est arrivé là. Monsieur Arce Montes est quelqu'un qui est peut-être un agresseur sexuel, à répétition, mais qui n'a jamais tué quelqu'un, qui n'est pas du tout connu comme quelqu'un de violent au point de causer des séquelles mortelles. Et là, il y a une véritable difficulté. Et les éléments de ce dossier ne démontrent pas, effectivement, qu'il ait voulu donner la mort. Il n'y a pas de trace de lutte sur le corps de Caroline Dickinson. Il va toujours affirmer qu'il a voulu faire taire Caroline en lui appliquant ce morceau de coton sur les voies nasales et buccales pendant une à deux minutes, on ne sait pas, mais il va toujours dire que c'était pour la faire taire. Il va toujours prétendre que lorsqu'il a quitté la chambre, pour lui, elle respirait, donc elle s'était rendormie, donc elle vivait encore. Qu'est-ce qu'il vous dit sur le meurtre? Alors, sur le meurtre, il est très très mal à l'aise. Il dit « Je n'ai pas voulu la tuer, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un violeur, je n'ai jamais violé une femme. C'est vrai que je l'ai tuée. » Et là, on sent qu'il est très mal à l'aise, parce que pour lui, tuer quelqu'un est un acte totalement insoutenable. Et ce qu'il nous dit, c'est « Je l'ai tuée, certes, mais je ne voulais pas la tuer. » Il relève de la justice ou de la psychiatrie, franchement? Écoutez, c'est un homme qui présente une personnalité qui est anormale. Personnalité pathologique, maladive. On ne peut pas dire de lui que ça soit un type normal qui ait choisi ce qu'il voulait faire, qui a contrôlé. Non, c'est quelqu'un, toute sa vie est anormal. Et pourtant, donc, vous dites-vous, oui, on peut le juger. Oui. C'est ce qui est écrit dans votre rapport d'expert. Parce que, au moment des faits, il était suffisamment lucide pour savoir quand même ce qu'il faisait. Le premier jour, Montes ne parle quasiment pas. Et le mardi, le deuxième jour, il va pendant une demi-heure, sans être interrompu par la présidente, il va raconter ce qui s'est passé à Saint-Lunaire d'abord. Donc il va expliquer pourquoi ensuite, très excité a-t-il dit, et par les médicaments et par le whisky, pourquoi ensuite il voulait à tout prix cette nuit-là commettre un viol. Mais en tout cas, à part sa déclaration du mardi matin, qui va durer à peine une demi-heure, il va répéter toujours la même phrase en espagnol. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je n'ai rien à déclarer. Ce mutisme s'expliquait par l'une des difficultés en termes de préparation du procès, qui était notamment l'éloignement, à notre sens totalement injustifié, de Francisco Arce Montes. En effet, avant le procès, Arce Montes est en prison à Fresnes, en région parisienne, car il souffre de problèmes psychiatriques et il n'y a que là qu'on peut le soigner. On ne le ramène à Rennes que quelques semaines avant son procès et ses avocats disent qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense. Alors, en signe de protestation, Arce Montes
reste muet. Il ne répond qu'à quelques questions portant sur les faits, mais refuse d'expliquer son geste, ses motivations. Et il refuse de répondre aux questions de la famille Dickinson. Là, c'est le silence total. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, la famille Dickinson, elle attend pendant 8 ans de pouvoir mettre un nom sur un crime. On lui dit d'abord, bah, c'est un tel, et puis après on lui dit non, c'est pas machin, c'en est un autre, etc. Bon, donc 8 ans après, le procès s'ouvre enfin, et on se retrouve face à un mur. Le mur du silence, c'est le mur le pire devant lequel des victimes peuvent se retrouver. Pendant tout le procès, il refuse de s'exprimer. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a peur de se confondre, de dire des choses qui sont en contradiction. Il y a beaucoup de choses qu'il entend. Il sait que ce qu'il a fait est indéfendable. Peut-être que pour lui, parler serait une sorte de défense. En fait, il s'en remet à la société, il s'en remet aux citoyens qui vont juger en disant « voilà, j'ai fait quelque chose de mal, je le sais, je ne sais pas quoi dire, faites ce que vous voudrez de moi ». Le 14 juin 2004, après 4 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Arce Montes est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. La cour et les jurés ont refusé de suivre totalement l'avocat général, qui réclamait le maximum, la perpétuité. Lorsque le verdict tombe, pour nous c'est en fait une demi-surprise. Surprise par rapport à ce qu'on nous avait promis avant l'audience, et de voir qu'en fait tout n'était pas joué non plus à travers un impact médiatique. Arce Montes est condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Est-ce que pour vous, cette peine est une surprise ? J'étais heureux d'avoir obtenu du système judiciaire français un verdict qui a contribué à me rendre, en tant qu'homme, en tant qu'individu, une certaine paix. Et puis aussi heureux de savoir que cet homme n'aurait plus la liberté de continuer ses crimes. La Cour opte pour une sentence qui ouvrait une porte parce que 20 ans plus tard, des experts auraient pu dire qu'il était apte à être libéré et finir ses vieux jours en Espagne, peut-être, on ne sait pas. Les experts auraient pu dire aussi qu'il fallait le garder en prison. En tout cas, il y avait 20 ans incompressibles. La famille Dickinson s'en satisfaisait parce qu'elle était surtout soulagée, elle, qu'on reconnaisse qu'il avait bien l'intention de tuer. Et puis ensuite, Francisco Arce Montes, un petit peu à la surprise générale, a fait appel de cette décision devant la cour d'assises des Côtes-d'Armor. En juin 2005, Francisco Arce Montes est condamné en appel à la même peine qu'en première instance, 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans. John Dickinson, les choses auraient sans doute été très différentes dans cette enquête si l'Europe avait un fichier commun, un fichier ADN partagé par tous les pays de l'Union européenne et qui contiendrait l'empreinte génétique de tous les délinquants sexuels. On ne peut pas réécrire l'histoire. Cet homme a réussi à échapper à la justice en traversant les frontières. Des manquements dans la législation lui ont permis de sortir de prison et de ne pas se faire repérer en bougeant tout le temps. Je suis déterminé à faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Il est certain que l'utilisation d'un fichier international des empreintes ADN, un fichier européen, serait un grand progrès en la matière. Au final, cette affaire Dickinson est assez emblématique de ce qu'est la police moderne. Un mélange de flair à l'ancienne et de science, auquel il faut bien ajouter dans ce dossier un peu de chance. Le flair, parce que c'est le raisonnement des juges et des gendarmes qui a permis de cibler Arce Montes. La science, parce que grâce à elle, le juge, les gendarmes et ensuite les jurés ont eu tout de suite la certitude que leur homme était le bon. Thank you.